Bientôt l'heure du combat. Pour Kumail, il est temps de mettre ses bandages. Déjà, dis-moi que ce jeune Anderlechtois participe à des compétitions de boxe thaï, un sport qui lui apporte beaucoup. J'apprends à dépasser mes limites surtout, et puis ça m'aide à maîtriser mes émotions surtout, c'est le plus important. On a la chance d'avoir un entraîneur qui est éducateur aussi, donc de temps en temps ça nous arrive par exemple, allez, on se sent pas bien à la maison, on est un peu triste, on a quelqu'un dans la famille qui est décédé ou quoi, et ben, ça nous aide à nous divertir un peu. Chacun a sa manière de se divertir, et moi c'est celle-ci quoi. Ça m'amuse. C'est tout ? Non, j'aime bien devenir plus fort et tout ça. Ce dimanche, une trentaine de jeunes de 6 à 23 ans venus de Belgique et de Hollande vont s'affronter sur le ring au programme Box Thai et Kiwan, deux sports de combat. Franchement, c'est pas violent. Ça dépend de la mentalité des gens aussi. Hein. Il y en a qui croient que c'est violent, mais c'est le contraire. On apprend à se contrôler. C'est le fait de travailler, pas que la salle, mais ce qui entoure leur vie. Hein, être rythmé dans le temps, avoir leurs limites, avoir leurs règles, à comprendre des règles, que ce soit les règles de la salle comme les règles sociales. Et ça s'inclut, ça s'imbrique l'un dans l'autre. Il est 15h30, début des combats. Pour les moins de 12 ans, plastron et protection sont obligatoires. Un match se joue en 3 rounds d'une minute. Ce premier gala en plein air veut promouvoir la discipline et permettre aux jeunes de se tester sur le ring. Et après, ben, par rapport à cette première expérience, il dira si oui ou non il voudra continuer. Même parfois positif ou négatif, parfois ça commence par des commencements négatifs au niveau des combats, par des défaites et tout ça. Et puis après, il peut se révéler que ce gars ben, devienne un futur champion.